Coucou la famille. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, aussi. Moi ça va. Et toi? Moi ça va. Voilà, on va super super bien. Mmh. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je vous ai demandé si vous voulez que je puisse débriefer mes fiançailles et tout dans une vidéo YouTube. Et vous m'avez tous répondu oui oui oui, vas-y vas-y, nanani nanana. Et voilà, je suis là pour le faire. Et je pouvais pas faire cette vidéo toute seule, enfin je me suis pas fiancée toute seule. Donc du coup, on était obligé de faire ça avec moi. Voilà, j'étais obligée de faire avec monsieur qui est là, qui est présent d'ailleurs. Mmh. Et je suis très très heureuse qu'il puisse être là avec moi. Ne pleure pas, c'est bon, il aime trop des trucs comme ça, t'inquiète, t'inquiète, je suis heureuse, je suis contente. Toi aussi t'es heureux quand même d'être là? Non mais je suis pas heureux, vas-y continue. Comment ça t'es pas... Si, je sais que t'es heureux. Bref, donc du coup là on va débriefer vraiment l'organisation, on va parler vraiment comment ça s'est passé et tout ça, tout ça. Donc voilà, et puis sans plus tarder, non, lui toi t'es tranquille et tout, et tu bois sans et plus tout. Tarder, c'est parti. Oui, sans plus tarder sur ça. Mais putain Yann, pourquoi tu bois au milieu de la vidéo en plus? Cette vidéo, franchement, j'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin. Oh, la famille, on va tenir jusqu'à la fin. On tient jusqu'à la fin. Donc la famille, là, on va commencer le commencement. Hein, quand on s'est mis d'accord de se fiancer, comme ça, je lui ai dit, veux-tu m'épouser? Il m'a dit, oui, vas-y, non. Du coup, on s'est mis d'accord au mois de décembre 2020. Voilà. On s'est dit, vas-y, on va se fiancer et tout. On voulait déjà le faire, 2019 et tout, on en parlait, hein, on voulait vraiment le faire. Après, il y a eu le Covid, il y a eu plein d'autres trucs qui n'ont pas, enfin, qui nous ont empêchés de faire. Après, ma poule l'a dit, nous sommes en guerre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est que je m'attendais pas à ça. Oui, c'est vrai, Macron, il a dit nous sommes en guerre. Donc du coup, vu qu'on était en guerre, on ne pouvait pas trop se fiancer et tout. Voilà. Et donc du coup, on ne l'a pas fait. Et en décembre 2020, on a dit quoi qu'il arrive, guerre ou pas, Covid ou pas, confinement ou pas, on va le faire. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on l'a fait. Donc Dieu était là avec nous, on l'a fait. Donc la famille, donc voilà, on s'est mis d'accord en décembre, juin, hop, 12 juin, on a dit voilà. On n'a pas choisi la date au hasard, ça a une signification pour nous, donc cette date là. En fait c'est le 12 juin qu'on va finir en France. Non, c'est le 11. Je ne sais pas, moi je sais pas. En fait on doute entre le 11 et le 12 juin. Du coup on a mis le 12. On a mis le 12. Non, on a mis le 11. Non, c'était le 12. Ouais, ah les fiançailles, oui, les 12, oui, c'est vrai. On a mis le 12 juin, donc on a commencé à se préparer, hein, voilà, normal, tranquille et tout. C'est vrai qu'on a mis le 12 juin et que on s'était déjà fixé en décembre, donc le décembre en juin, juillet, on va dire. Le décembre en juillet, parce que c'est en juillet qu'on s'est finalement fiancé. On s'est fiancé en juillet parce que l'oncle a béni de venir. Devait venir et tout, mais bon, ça s'est pas fait à cause du Ça s'est pas fait et voilà. Quoi. Donc du coup on a mis le 31 juin, mais on y arrive hein, petit à petit, on vous expliquera vraiment à quel moment on a changé. Et donc du coup vous me connaissez, je suis là, je suis une femme, donc moi j'ai envie de parler. Et en plus de ça, je voulais tellement parler de ça sur mes réseaux sociaux, mais je disais non, parle pas, parce que à tout le monde, presque à tout le monde, je parlais de ça, même à lui, je me saoulais avec ça. En fait, moi je pense qu'elle devait parler de ça sur ses réseaux, parce que moi, elle parle de ça tous les jours, ça me donne mal à la tête. Franchement, tous les jours, tout le temps, matin, midi, soir, dans la nuit, au téléphone, par message. En fait, j'avais des idées, je me disais, bref, je vais en parler à Yann, je parle à ma mère, je parle à ma soeur, à ma meilleure amie, enfin tout le temps. Et d'ailleurs, je regardais les fiançailles des gens sur YouTube. Je regarde au moins plus de 100 fiançailles. Non, mais je suis une psychopathe. Je regardais plus de 100 fiançailles sur YouTube. Non, mais c'est pas une question de psychopathe, parce que tu voulais que ça puisse bien se... Ouais, c'est vrai, je voulais voir et tout. Et ma mère, elle me disait, t'inquiète pas, ça se passera pas pareil. En même temps, elle ne savait pas comment ça se passait, et moi, la même chose. Ouais, bah ouais, c'est ça aussi. Elle a commencé à regarder ça depuis décembre. Regarder tous les fiançailles et tout, et moi, je pense que je commençais à regarder ça en... En juin que j'ai commencé à regarder. Et encore tu regardais pas comme moi. Ouais, parce que elle c'était vraiment... Parce que moi c'était tous les week-ends. En gros genre je savais que tous les week-ends il y a des gens ils postent leurs fiançailles. Après, moi je disais à mais ça sert à rien de me regarder ça parce que les fiançailles ça va pas être comme ouais, pour ça les sera autres pas en fait. Et tout, ouais. En plus ouais. Tout ce que tu regardes c'était des trucs des Congolais. Sachant que nous deux ne sommes pas du même pays en fait. Donc
Moi, je comprenais pas pourquoi elle regardait trop ça. C'est plus à moi de peut-être regarder ça pour savoir comment ça se passe chez elle, en fait. Mm-hmm. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et voilà, on a avancé et tout. Arrivé au mois de mars, moi, je voulais acheter ma robe parce que je me voyais pas, en fait, commander la robe que je veux mettre, que je vais... Je voulais pas commander ma robe, quoi. Je voulais vraiment essayer ma robe dans un magasin et l'acheter. Donc, au mois de mars, je partais avec ma mère, ma sœur, avec la clique, quoi. On est parti et tout, et j'ai trouvé ma robe. C'était trop joli. Franchement, je suis tombée amoureuse de ma robe. Tout le monde était d'accord. Dans le magasin, tout le monde était d'accord. Monsieur, et moi, en même temps, il n'y avait pas encore ma tenue. Ouais. Ma tenue, je l'ai eue en juin. Non, t'as pas eu ta tenue en juin. Non, t'as choisi ta tenue en juillet, début juillet, t'as choisi ta tenue. J'ai choisi ma première tenue en début juillet. Voilà. Mais cette tenue n'était plus disponible. Ouais. Du coup, j'ai choisi ma tenue encore en mi-juillet, un truc comme ça, parce que c'est là qu'on a su que c'est pas dispo. J'ai choisi ma tenue en mi-juillet. Et tu l'as reçu? Je l'ai reçu 2-3 jours avant. Genre vers le 28. Avant les jours de chance. Ouais. 28 juillet, un truc comme ça. Donc imaginez mon stress. Bref. Donc du coup, j'ai réservé ma maquilleuse aussi au mois de mars aussi. Ouais. J'ai réservé ma maquilleuse. Voilà quoi, donc on a avancé comme ça. Après, on a réservé aussi le photographe. Le photographe, je l'ai trouvé sur Facebook. Le photographe, elle l'a trouvé sur YouTube. Je sais même pas comment elle a trouvé ce photographe. Je vous dis, je tapais photographe en rien. Non, je sais même pas comment elle a trouvé ce photographe parce que le photographe, elle appelle maintenant tonton. Mais c'est par respect chez nous. On appelle quand quelqu'un est grand et tout. J'appelle tonton. Comment il s'appelle encore tonton? Je vais pas dire son prénom. Du coup, je peux pas l'appeler tonton. Tonton, mais elle n'est pas tonton. Tonton, quoi. Il va te donner un nom comme ça. Tonton Jacques. Non, tout le temps, mais elle n'est pas tonton Jacques. Moi, je dis, c'est qui tonton Jacques? Mais non, c'est le photographe. Mais j'ai dit, pourquoi tu l'appelles tonton Jacques? Mais c'est pas vrai. Du coup, moi j'ai appelé tonton Jacques, on est parti chez lui, il habitait tellement loin, le gars. Moi je pensais que c'était vraiment son nom quand il disait tonton Jacques. Arrête. Du coup, le gars il avait même pas un PayPal, il avait rien du tout. Donc, pour réserver la date, on a dû partir chez lui. Il habite grave loin. Oh, le trajet, je vous jure. Et en plus, on est parti chez lui pour rester quoi, 10 minutes, même pas. Même pas, 10 minutes. Donc, du coup, voilà, il était réservé aussi au mois de mars. Et après, on a consommé nos filles et tout, moi, franchement, tranquille, hein, on a continué, je stressais pas plus que ça, vraiment pas plus que ça. Entre temps, j'ai grossi, donc si vous vous souvenez bien sur le réseau, je vous disais, ouais, je dois perdre du poids et tout. C'était pour rentrer dans ma robe, parce que je rentrais plus dans ma robe. On a grossi, mais madame, elle voulait pas faire du sport. Arrête, tu commences à faire du sport. Après, il y a un moment, elle a commencé à faire du sport, elle a fait le sport 2 jours. Ah non, dis pas ça. Non, je fais du sport. Au moins, j'avais dit un mois de sport. Certes, je n'ai pas respecté. Non, t'as même une semaine, t'as pas fait non, une semaine. Non, si, j'ai fait une semaine. Mais t'as même pas fait une semaine. J'ai eu une semaine de vacances au mois de juin et j'ai vraiment fait du sport pendant une semaine de vacances. J'ai perdu du poids au bout de un mois, hein, tout le mois de juin et début juillet. J'ai perdu, donc je suis dans ma robe. Après, bon, voilà. Au mois de mai, bah, mon oncle, il me dit qu'il pourra pas venir le 12 juin et du coup on décale la date, donc c'est là qu'on a décalé la date, le 31 juillet, parce que les autres week-ends on pouvait pas parce que le photographe il avait pas de dispo, la maquilleuse elle avait pas de dispo, même mon oncle aussi il pouvait pas venir, donc on a dit on va pas changer, on met le 31 juillet. Voilà, donc on a mis le 31 juillet. Et là le tonton Jean, tonton Jacques, oui, tonton Jacques, il dit Au début, il nous dit ok. Au début, il dit ok, d'accord, ça marche et tout. Mm-hmm. Après, je pense 2 ou 3 jours après, une semaine après, il dit non, en fait, la dernière fois, il nous dit... Non, pas une semaine, non. Début juillet, il nous dit. Donc, début juillet, ouais. Il dit non, en fait, je peux pas, parce que quand je t'ai dit ok, j'avais un autre mariage. Ouais. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Donc, je dis à Béni, vas-y, laisse tomber. Parce qu'elle, elle voulait parler. Ouais, je voulais dire que voilà, c'est pas. Mais je dis à Béni, vas-y, si. Il n'est pas là, c'est que Dieu ne veut pas, tu vois. Mm-hmm. Donc on va se débrouiller, on va essayer de faire un truc propre, etc. Ouais. Et voilà, quoi. Voilà, on n'avait plus de photographe et il est venu m'arranger. Par contre, la maquilleuse, elle m'a dit ouais, okay, tranquille. Ouais. Elle m'a dit ouais, tranquille et tout, t'inquiète et tout. Donc après, on arrive à juin.
juin, voilà, non, on a non, fait juillet. Ouais, juillet. Juillet, pression pour venir, moi. Ouais, non stress, franchement, c'est un mec qui stresse. Tranquille et tout. Ce qui m'énervait juste, c'est comme je vous ai dit auparavant, c'est juste parce que tout le temps je lui parlais des fiançailles, mais franchement il stressait pas. Et moi, tout le mois de juin, j'ai stressé, le mois de juillet, pardon, j'étais plein stress, j'ai stressé tout le temps. Et moi, je prenais vraiment la tête pour des trucs bêtes en fait, même pour dire bonjour. Ouais, tu m'as pas dit bonjour. Moi, je pense que quand vous êtes prêt à passer à cette étape, c'est bien de prier en fait, de consacrer ça à Dieu en fait. Parce aussi, ouais, c'est parfois vrai. Le diable n'est même pas d'accord. Parce que c'est deux personnes qui essaient de passer une certaine étape et tout, de leur vie. Ouais, voilà, c'est et ça. Le diable n'est pas d'accord avec ça, donc il va essayer de mettre des embrouilles partout même dans un truc où c'est bête et que dans la normalité on n'allait même pas se prendre la tête. Faut vraiment mettre ça entre les mains de Dieu, que Dieu puisse diriger ça en fait. Donc en juin on arrive, tranquille, moi je reçois ma tenue 2-3 jours avant les fiançailles. Alors donc le stress tout le temps, je lui disais alors t'as tenu. Il me dit mais t'inquiète, ça va arriver, le gars il est jamais stressé. Franchement il me dit oh t'inquiète ça va arriver. Et moi je lui disais mais tu vas venir en jogging ou quoi. Mais voilà, non, il a reçu sa tenue au calme. Je reçois ma tenue à temps et tout, et en même temps je faisais confiance à ma mère parce que c'est ma mère qui m'a envoyé ma tenue. J'ai confiance, je me suis dit ça va aller et tout. Par hasard, la tenue elle est tellement bien passée la robe de Dieu. Alors qu'il avait jamais vu ma robe, j'avais jamais vu sa tenue, franchement c'était la surprise. Au début moi j'ai dit tu vas pas voir ma robe, et moi je voulais voir sa tenue, et lui du coup il m'a dit non tu vois pas ma tenue non plus, donc voilà, on est parti sur ça. T'avais même pas vu mes chaussures en fait, t'avais rien vu. Non, j'avais pas vu ses chaussures, mais elle avait vu moi, mes chaussures. Moi j'ai vu ses chaussures. Et pour essayer de l'embrouiller, moi je disais non, ces chaussures-là, je vais pas mettre ses chaussures en fait. Ah j'étais en... Elle était plus énervée, non, pourquoi tu veux venir avec des baskets et tout, tu respecteras pas ma famille, nanani. J'ai dit ça à ma mère, on était tous en stress, et je vous dis, il m'a dit ça jeudi, genre c'était jeudi, hein. Jeudi, il me disait, ouais, non, je vais venir au basket. Vendredi, il a persisté à dire qu'il allait venir en basket. Moi, je dis, non, je peux pas venir en basket et tout. Vendredi, on arrive, vendredi, on s'est pris la tête. Ah, de ouf. On s'est pris la tête. Je lui ai dit, non, moi, je veux plus dire ses fiançailles. Ouais, je vais tout arrêter. Je dis, non, en tout cas, on fait les fiançailles. Après, on va parler. Et il me disait, on doit avoir une conversation. Après, les choses, je dis, non, vous me connaissez cette conversation maintenant. On va même pas se fiancer et tout. Dis à ta famille de rentrer chez elle. Moi, je vais dire à ma famille de rentrer chez elle. Voilà, il n'y aura plus rien. Et lui, il disait non, t'inquiète, tu auras les fiançailles. Genre, le gars, il était sûr de lui. Mais il était trop sûr de lui. Après, le lendemain, chacun était dans son coin. Ouais, franchement, samedi, c'était ça. Samedi, c'était tranquille jusqu'à 12h, un truc comme si c'était tranquille. Après, venez à 14h, 15h, venez me dire non. Ma maquilleuse elle est pas là. Ma maquilleuse n'est pas là et tout. Moi je suis là tranquille, elle va arriver, t'inquiète. Ouais, franchement il ne stressait pas. Après, plus, tu sais que ça m'a permis aussi de pas trop stresser. Parce que moi, s'il m'aurait dit ah ouais, mais pourquoi il n'allait pas là, j'allais encore plus stresser. Mais il me disait non, t'inquiète, elle va arriver, elle t'a donné sa parole et tout, elle va arriver. Et vous pouvez demander, enfin, je ne vais pas demander, mais les filles qui étaient avec moi, elles me disaient, mais toi t'es trop tranquille. Ma maquilleuse elle est même pas là, t'es tranquille. Je disais ouais, elle va arriver, mais j'ai stressé quand même. Bon, voilà. Dis, même si ta maquilleuse ne vient pas, tu peux le faire toi-même en fait, non, tu non, vois. Je peux pas le faire. Bon, vers 15h, 16h, parce que moi je devais arriver à 17h. 17h, ouais. Donc, vers 15h, elle me dit non, Yann, en fait, tu peux pas venir à 17h parce que la famille. Non, au début c'était pas encore ma maquilleuse. La maquilleuse n'est pas là et tout. Repousse à 18h. Mm-hmm. Ok, d'accord. Après. Une heure après, elle me dit non, Yann, en fait, c'est mieux 19h. La famille, elle n'est pas prête, mes tantes, etc. C'est pas bon, c'est mieux 19h. Mm-hmm. Moi, je dis non, c'est pas bon. Yann est trop têtu. Parce que moi, j'ai déjà mon oncle qui est là et tout. Donc, ouais, il m'a dit ouais, mon oncle qui est là. Je peux pas repousser l'heure et tout. Je lui ai dit, mais s'il te plaît, parce que mes tantes, elles sont pas prêtes. Il a dit ok, non, nous on va venir à 18h. Je lui ai dit ok, tu fais comme tu veux. On est arrivé à 18h pétante. Je vous jure, 18h. 18h pile, bon, ils ont sonné. Déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est que si on n'était pas à l'heure, s'il était 18h01, on devait payer de l'amende. L'amende, ouais, de retard.
payer l'amende de retard et tout. Donc lui, il a dit, je ne veux pas payer l'amende. Non, même pas. Vu que nous sommes des gens ponctuels. Ouais, c'est vrai que par à nous, les Congolais. 18h pile, on a sonné. Ils étaient là. 18h pile. Il n'y a personne qui était prêt. Il y a une tata qui est venue ouvrir. Elle a vu, ah ok, d'accord, ils sont déjà là. Et moi, j'étais là, on était en train de me maquiller. Et ma meilleure amie, elle vient, elle me dit, oh, ils sont là. J'ai dit, quoi? Elle me dit, je regarde, je lui dis 18h. Je fais, oh non, il n'y a personne. Et là, je commence à chercher mon téléphone. C'est pas moi qui avais mon téléphone. Pour dire, bah, parce qu'en fait, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous ai dit que mes tantes et tout, elles préparaient à manger chez moi. Et donc, moi, j'étais chez maman. Mais je me suis dit, mais comment elles vont faire pour passer? Parce qu'elles étaient obligées de passer devant la belle famille pour rentrer dans la maison. Donc c'était compliqué. C'était trop compliqué. Ouais, donc on a nous, on a du coup, ils ont attendu devant la porte. Ouais. Une heure de temps. Une heure, quand je dis une heure. Heure de temps, on a attendu et tout. Après, c'est bien parce que de mon côté, il y avait une bonne ambiance et tout. Attendu. Moi, c'était trop stressant. Moi, c'était trop stressant et tout. Parce que je disais même à ma queue, je disais, il est trop ponctuel. Genre, c'est un mec, c'est moi, je le mets tout le temps en retard. Tout le temps, je le mets en retard. Pour nos rendez-vous, plein de trucs. Et là, bah. À 19h, du coup, on nous ouvre la porte et tout. Et moi, il y a mon oncle, ma soeur, mes frères et tout qui passent et tout. Mm-hmm. Et moi, je vais passer, on me bloque. Pour me bloquer, on me dit non, toi tu peux pas passer comme ça et tout. Il faut donner quelque chose. Du coup, j'ai dit avant de donner quelque chose, non. La tata elle parlait en lingala, elle disait un mot. Elle disait ouais, beau kilo. Elle disait beau kilo. Moi, ce mot, j'ai jamais écouté ce mot. C'est sambongo, des trucs comme ça. Elle disait beau kilo et tout, mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire en fait. Ouais. Donc, après, j'ai compris qu'elle voulait que je puisse donner quelque chose avant de rentrer, j'ai donné. Et sont rentrés. Après, ils me disent, ouais, franchement, ton mec, il est trop fier, il est trop drôle. Moi, j'étais trop fier, je dis, ouais, c'est bien. Donc, ouais, c'était donc, trop drôle. Après, nous sommes rentrés et tout, on s'est assis. Après, ça, c'est parti. C'est parti, c'est la vidéo. Voilà, et puis moi, j'étais toujours dans la chambre et tout. Bah, en fait, nous, moi, je pense que moi, pour moi, ça a trop duré le pourparler et tout. Mais pour lui, non. Pour moi, ça n'a pas duré. En plus, j'ai bien kiffé le moment. Et il faut dire que dans la vidéo, on n'a pas mis tous les moments. Ouais, on n'a pas mis tous les moments. Sinon, ça allait être trop long. Ça allait être long, mais moi, j'ai kiffé. J'ai pu découvrir autre chose. Parce que je savais pas comment ça se passait et tout. C'était cool pour le moment, c'était vraiment cool pour le moment. Du côté de Béné, comme de mon côté, c'était vraiment cool. Une bonne ambiance en fait. Du coup, moi dans la chambre, bah, je restais là, j'étais avec ma soeur, ma meilleure amie. Elles essayaient de me déstresser, j'étais au téléphone avec mes soeurs, avec mon papa aussi. Voilà, après, bah, c'était le moment où je dois sortir. Franchement, c'est trop stressé. Pourtant, tout au long, quand ils étaient en train de parler, j'étais pas trop stressée, mais là, j'ai commencé à vouloir. Genre ma mère elle me disait ne collez la tête, ne pleure pas et tout, mais tant elle disait collez la tête, c'est pas le moment. J'avais envie de pleurer et j'arrivais même pas à regarder Yann dans les yeux parce que je me disais si je regarde dans les yeux je vais pleurer, il va faire une grimace ou des trucs comme ça. Parce qu'il me disait aussi si tu me regardes dans les yeux je vais te faire une grimace, des trucs comme ça et tout. En même temps c'était pour juste rigoler, c'était juste pour rigoler, après elle est sortie. Alors quand tu m'as vu, j'ai dit non, ma copine c'est quelqu'un quand même. Mais après, comme je disais précédemment, on était bien reçus par la famille de Béné. Même si après mon beau-père il m'a taquiné un peu que non, il doit payer l'amende, on n'a jamais parlé ensemble. En tout cas. C'est vrai en plus. Mais c'était bien. C'était vraiment cool. C'est cool, ça s'est bien passé. Même de mon côté, ils ont kiffé sa famille du coup, puisque c'était un moment où bah, c'était vraiment les deux familles allaient se rencontrer. Donc, c'était les deux pays, deux personnes différentes. En plus, ça s'est passé en français, puisque bon, la plupart du temps, nous les Congolais, quand c'était Congolais, Congolais, sont arrivés là. Que nous, on parle que français chez nous. Ouais, voilà, du coup, ils ont pu s'adapter à nous. Ouais, franchement, c'est ça qui était bien aussi. Non, c'était. Ouais, c'était cool, franchement. En plus, une partie dans la vidéo où je suis en train de parler. Ouais. Et on a coupé le son. Et à un moment donné, j'étais en train de parler, et j'ai arrêté de parler. Il voulait pleurer. Parce que je dis normalement, rien que quand comment je vais pleurer. Il voulait pleurer, moi je le voyais, du coup il a arrêté de parler. Du coup j'ai arrêté de parler, j'ai dit bon, on passe. Et il faut savoir qu'il m'a toujours dit que jamais je le mettrai à genoux pour la bague, jamais. Et donc moi dans ma tête je me disais bon, il va me passer la bague au calme. Et là,
Et là, je vois monsieur qui se lave les mains, je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est trop choqué, mais bon, ça m'a vraiment fait plaisir, vraiment, parce que il sait que je voulais ça et que ça m'aurait, ça allait me faire plaisir, donc ça m'a vraiment fait plaisir, j'étais trop trop contente. Et donc voilà quoi, ça s'est passé, et du coup on est fiancés, ça y est, je sais pas si vous voyez bien ma bague, hein. Ou pas, je sais pas. En tout cas, on est fiancés, je suis trop trop contente parce que voilà, c'est vraiment l'étape quoi, ouais, notre première étape. C'est vraiment la première étape. Voilà. Comme on a dit au début, il y a certains principes que nous, il faut respecter. Voilà, exactement. Et voilà. Et j'espère donc, que ça va marcher mieux, que je vais être là. Que je vais être là et il va permettre qu'on puisse passer à des étapes supérieures. Exactement. Et voilà. Bref, la famille, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de nous ajouter sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas de commenter vraiment. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse plein de vidéos avec Yann. Si vous avez envie de le revoir dans mes vidéos, dites-moi dans les commentaires ou en privé. Franchement, ça fait plaisir. Et à s'abonner, c'est gratos. Donc, ça ne te coûte même pas un centime. S'abonner, c'est gratuit. Ouais, ça ne te coûte même pas une seconde en fait. Ça, donc, ça donne de la force, ça donne envie de faire des vidéos. Exactement. Donc continuez de vous abonner massivement. Parce que moi je regarde les vidéos de Béni. Je vois comment elle fait des montages, etc. Mais je peux vous dire que ça prend du temps. Ce qui est bien, c'est qu'elle a la motivation et ouais, mais des fois je laisse ça va aller en fait. Ouais. Donc abonnez-vous massivement. Ça ne coûte rien. Regarde, maintenant où je suis en train de parler, tu peux déjà t'abonner, voilà, exactement. Ouais, et elle, ça va l'encourager. Exactement. Et voilà quoi. Voilà, en tout cas, moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous, d'échanger avec vous, d'échanger avec elle. Et on espère te revoir vite. Donc, dites-moi si vous voulez le revoir. En tout cas, bah, c'est une famille, on est ensemble, on vous fait plein de bisous. Et on dit à la prochaine!